Pour réaliser ce carnet, vous aurez besoin, bien évidemment, d'un cahier, de peinture ardoise, donc c'est de la peinture sur laquelle on peut écrire avec une craie une fois qu'elle est sèche. Donc moi j'ai pris de la peinture ardoise de la marque PBO, mais évidemment il y a plein d'autres marques qui le font. Et j'ai pris la couleur grenadine, donc c'est comme du rouge en fait. Vous aurez besoin d'un pinceau mousse pour l'appliquer. De peinture de la couleur de la peinture ardoise, donc moi ça sera du rouge, et de peinture noire, peu d'eau, et des étiquettes ardoises, donc c'est des étiquettes adhésives sur lesquelles on peut écrire avec une craie. Donc pour commencer, on va peindre avec de la peinture normale le cahier, comme ça évitera de faire trop de couches avec la peinture ardoise et ça vous évitera d'utiliser trop de peinture ardoise. Donc on va mettre à plat le cahier et sous les couvertures on va glisser des feuilles de brouillon ou autre chose pour ne pas tacher le plan de travail. Donc on va étaler la peinture normale. Des deux côtés et n'hésitez pas à faire plusieurs couches si nécessaire. On va maintenant passer à la peinture ardoise. Donc comme on a déjà recouvert le cahier avec de la peinture normale, on n'est pas obligé de trop mettre de peinture ardoise, ça permet de pas trop en utiliser. Et on va juste mettre deux couches, donc avant de l'étaler, remuez bien la peinture. On va donc faire une première couche. On va la laisser sécher 4 heures et on refait la deuxième couche. Ensuite, il faut laisser sécher plus longtemps, donc sur le pot, ils disent de laisser sécher 72 heures, mais comme là, c'est juste sur un cahier qu'on n'en a pas mis beaucoup, moi, je vais laisser sécher un petit peu moins longtemps. Une fois que votre cahier est totalement sec, on va venir appliquer la peinture noire sur une brosse à dents. Donc moi, je vais l'étaler sur toute la brosse à dents. Et on va venir faire des projections avec la brosse à dents. On va ensuite coller l'étiquette ardoise. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez maintenant écrire à la craie sur le cahier et sur l'étiquette. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye !